Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog où je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire le demoiselle, et tout ce dont je peux parler, quasiment tout, se retrouve en lien en dessous. Je vous mets le lien vers mes fiches Ravelry où vous trouverez normalement à peu près toutes les informations nécessaires sur les tricots que je porte et les tricots que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je suis contente de vous retrouver, nouvelle semaine qui commence, chez nous c'est les vacances scolaires, ça devait être une semaine très chargée niveau boulot et finalement ça s'est pas mal allégé, j'ai des petits qui sont partis chez leur papy, mamie, tout ça, donc j'ai des parents qui finalement sont en congé, donc ça fait une semaine un peu plus, ça fait donc une semaine un peu plus calme pour moi et c'est appréciable, je vais mieux, merci énormément pour tous vos petits messages, hein. J'avais été quand même bien enrhumée, la semaine dernière. Je vous encore un peu, mais je pense que ça va, bon, ben, ça va quand même mieux. Et pour parler tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile et je suis beaucoup moins essoufflée. Donc voilà, je suis pas au top du top, mais ça va quand même mieux. Et comme ça va être une semaine assez tranquille finalement, ça va être agréable et ça va pas faire de mal. Alors nous, c'est on est en période de tempête et c'est reparti pour les inondations, tout ça. Beaucoup d'inondations autour de chez nous. Nous, notre rue, à force de creuser des fossés dans tous les sens, ça va. Cette fois-ci-là, c'est bon, on n'a plus de problème d'eau qui déborde. Mais c'est vrai que bah, dès qu'on quitte, nous, le village, il y a quand même beaucoup, beaucoup de routes inondées à nouveau. Enfin bref, vivement le printemps que tout ça, ça soit fini, parce que cette année, on est quand même bien servi. Aujourd'hui, j'ai gardé mon châle parce que j'avais froid. Puis je me dis qu'il faut que je reste bien couverte. Alors c'est le châle, je ne sais plus du tout. C'est un modèle de Stéphanie Loden qui se tricote, qui était pensé pour tricoter avec 24 mini-chevaux, donc avec un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, au niveau des calendriers de l'Avent, ça repart. Hein. Vous pouvez aller voir, il y a déjà Ophine Dorus qui a mis en précommande le sien et Ars Natura également. Ouais, je partage les infos. Là, à partir de maintenant, il va falloir suivre parce que jusqu'à juillet, vous allez avoir régulièrement un teinturier qui va sortir son calendrier de l'Avent. C'est toujours une offre limitée. Et donc, voilà, là, au fil d'Horus, il est là. Je vous garantis pas qu'au mois d'avril, vous puissiez encore le commander. Donc voilà ce que je porte. Le châle, c'est celui-ci. Donc on commence par ce triangle-ci qui est fait de différentes sections. Ensuite, on tricote ces rayures-là, où là aussi, en fait, on alterne des points, des sections avec des points de dentelle ou des points texturés et avec des sections de points mousse. Ici, c'est la même chose. Et puis, on est venu tricoter hop, cette longue bande de ce côté-ci. Puis, on vient finir ici. Enfin voilà, donc c'est, je sais plus lequel modèle, mais un modèle de Stéphanie Loden. Il est super grand, il est très enveloppant. Et en dessous, je porte, première fois de la saison, mon Lace and Fade Boxy. Et en fait, je me rends compte qu'il n'est pas non plus des plus chauds et qu'aujourd'hui, j'aurais pu mettre un gros pull en mohair parce qu'on se les pèle. Donc voilà, j'ai gardé mon châle qui s'accorde bien. Et lui, j'avais trié. Alors là, c'est plein de mini, j'aurais même pu vous dire lesquels de. Voilà. Il y en a beaucoup des différents. Là par contre c'est la Knitting for Olive. Et j'ai fait en version arc-en-ciel. Et le mohair c'est du lace de chez Lang Yarn tenu en double. Voilà. J'ai mis de la couleur dans cette journée bien grise. Mais en fait il fait froid. Donc hop. Donc, là, franchement c'est un grand grand châle enveloppant. Et puis alors là les mini sont super doux. Je sais que j'en ai beaucoup quand même de yarneline. Là, tout ça, là, je sais que là, cette couleur-là, tout ça, c'était yarneline. En haut, oh, je sais plus. Bon, bref, voilà, je les aime, je l'aime beaucoup, ce châle. Ça, c'était pour ce que je portais. En début de semaine, là, on va faire un point sur tous les tricots que j'ai en ce moment. Et comme ça, on verra l'avancée à la fin de la semaine. Je vous mettrai après, vous le verrez en vidéo après. Mais j'ai le chat qui dort en plein dans tous mes sacs à projets. Après, il faut dire que j'avais qu'à pas les laisser traîner dans le canapé. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils sont tous là. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai même pas tricoté tout ça, ou j'ai pas touché à tout aujourd'hui, mais je pense que quand j'en cherche un, je déballe tout. Et donc elle dort en plein milieu de tout. C'est assez rigolo. Je vais la déranger, mais bon, tant pis, elle est pas chaud.
Les chaussettes de Noah. Hop, Noah m'avait réclamé une paire de chaussettes avec du jacquard. Il avait fait son choix dans le livre de Stonnitz. Je lui ai dit, bah, tant qu'à faire, regarde déjà l'Henri Patron que j'ai. Et il avait craqué pour le modèle avec les cerises, donc les Cherry on Top de Charlotte Stone. Et voici ce que j'ai fait. J'ai terminé toute la partie jacquard. Ces belles cerises. Alors, c'est un mini qui est vert. Donc, c'est un vert froid. Mais en fonction des écrans, il ressort bleu. Alors là, moi, sur mon retour écran, je le vois vert. Peut-être le fait de l'avoir mis avec les autres couleurs. Je le vois vert, mais je ne garantis pas que chez vous, il soit vert. Peut-être que vous allez le voir bleu canard ou autre, mais c'est un vert. Donc ça, c'était un mini teinture lurée. Ici, on a de la Worcestershire Spinners pour le jaune. Et c'est la teinture lurée pour le jaune. Normalement, sur le bâton, il y a des rayures, mais nous, on a fait le choix... j'avais que des mini, à la base j'avais prévu de faire avec des mini, donc mon mini vert j'avais pas assez pour faire les rayures comme c'est préconisé dans le patron, qu'on fait tout le reste de la chaussette jaune. Je fais la taille 2, donc j'ai fait des augmentations comme prévu ici pour faire tout le jacquard, on réduit, j'ai fait quelques rangs, puis je pense que là ça tige, ça va aller, je vais m'arrêter là, je vais faire le talon puis le pied, il a envie de les avoir... Dans le vlog précédent, quand j'en étais, mais alors, tout au début là, des feuilles, je vous avais dit, ah, je vais lui montrer. Puis quand il les a vues, il m'a dit, ah, t'es que là. Donc, bon, là, cette semaine, il est en vacances chez son papa. Donc, j'aimerais que quand il revienne, quand même, à la fin de la semaine, que j'ai terminé une chaussette et commencé la deuxième, histoire qu'il voie quand même que j'avançais sur ses chaussettes. Et puis, de toute façon, vu le temps qu'il fait, en plus, il va en profiter. Donc, voilà, les petites chaussettes. Alors, c'est un jacquard qui est pas compliqué. Parfois, on doit croiser un petit peu ses fils. Pas souvent, mais bon, des fois il faut quand même. Mais sinon, non, c'est pas un motif compliqué. Donc voilà, ça c'est les petites chaussettes. L'objectif, la finir cette semaine. Là, j'ai regardé le talon, c'est un talon rond à gousset, renforcé, œil de perdrix. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je sais pas si je vais prendre la tête à faire l'œil de perdrix ou pas. Parce que lui, en fait, il s'en fiche. Donc je vais voir, je verrai bien. Ah bah oui, le chat, mais t'es sur les... T'es sur mes sacs à projet, ma louloute. Ensuite, mon Magnolia Bloom, qui dans l'ensemble vous plaît. Alors, il ne plaît pas à tout le monde, ce que je conçois, parce que voilà, je suis d'accord, le côté très nuancé de la laine fait qu'on voit pas forcément bien le motif. Quoique là, ça va, en fait, à la lumière de jour. Et donc, voici où j'en suis sur mon Magnolia Bloom. J'avais pas mis de marqueur, mais j'ai tricoté un petit peu sur le corps. Et j'ai déjà tout ça sur le corps. Ça avance super vite. C'est assez incroyable. Je tricote en 6. Ça va vite. Ça va vite, c'est fou. Voilà, le gros pull doudou que je mettrai peut-être pas cet hiver. Mais au moins, il sera fait. Et puis, c'est tout, je l'aurai pour l'an prochain. Et puis, ça me fait de la place dans mon stock. Parce que mine de rien, les pelotes de Bliss, elles sont grosses. Je n'utilise que des fils de chez Langerne. La Muse... Leur base muse qui ressemble un peu à une... Ah bah il est tombé. On dirait un peu comme un suri en fait. Je sais plus c'est quoi la composition. Mais on dirait un peu comme un fil de suri. Il est très poilu. Pour 100 grammes, il y a un peu plus de 500 mètres. Donc en fait on va loin. Là je pense qu'avec mon premier écheveau, je vais largement avoir... je vais avoir assez pour faire le corps, il n'y a pas de souci. Et j'aurai... Donc j'ai deux écheveaux de muse et en fait j'aurai largement assez pour faire... tout le pull, les manches avec, il va m'en rester à la fin. Mais voilà, donc le pull Magnolia Bloom de Camille Abad. Alors j'avais choisi ça parce que j'avais déjà le patron, je savais que c'était le bon échantillon que j'allais. Je me doutais que j'allais avoir facilement cet échantillon là, et donc voilà, j'ai refait ce modèle là. Je l'ai déjà en uni, en tout couleur écrue, mais qui est trop grand. Et celui-là au moins il sera mieux adapté au niveau de la taille. Alors moi je trouve, donc il y a un fil de muse, un fil de lace de chez Langerne, et puis un fil de leur base Bliss qui vendent sous la marque Wooladic. Donc c'est quand même, je sais plus ce que je voulais dire. C'est doux, franchement c'est très doux. C'est très très doux, alors après tout dépend des sensibilités, si vous aimez pas le mohair. Moi je sais que mon chéri n'aime pas du tout le mohair, donc là il aime pas non plus. Il y a du mohair dedans, vous allez me dire, mais il aime pas du tout la combinaison des trois fils. Il valide pas du tout le pull. Il aime bien la couleur, il aime bien le motif, mais il trouve pas ça doux, lui ça le pique. Mais bon, c'est pas pour lui, donc c'est pas grave.
Lui, il n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est d'avancer. Si je termine le corps cette semaine, ça serait chouette. Si je ne termine pas, c'est pas grave. Ensuite, j'ai toujours le test pour Laetitia, même les anges tricotent. Le châle, une brioche pour le thé. Hop. Et je vais pouvoir vous le montrer un peu mieux parce que vous avez pu voir dans les petites images, on a fait un petit tricoté chez Justine et j'en ai profité pour acheter des câbles, dont un grand câble là de 125 cm. Et en fait, même 125, ça ne me permet pas d'étaler au plus grand mon châle, mais voilà. Donc, une brioche pour le thé, voici où j'en suis. Je vous avais quitté. J'en étais là, donc j'avais encore quand même tout ça à faire finalement, c'était pas rien. Et j'ai terminé, ça y est, la deuxième section de brioche. Donc là, soit la troisième section du châle. Il y a une première section ici de brioche, là c'est que du point mousse. Troisième section, on refait de la brioche. Je tricote avec les laines de Pauline, Bulbe Bizarre, c'est une collaboration entre Même les anges tricotent et Bulbe Bizarre. Et donc là, on a ce côté-ci où c'est vraiment le prune qui ressort dans la brioche. Et si je vous montre. Ça, c'est de l'envers du tricot. Et bien là, ça fait, vous voyez, très jaune. Et c'est le coloris Cinnamon Rolls. Un très joli ocre avec des nuances. Et franchement, ça donne deux châles. Hop! Ça donne un châle avec deux faces vraiment différentes. J'aime beaucoup. Donc là, ça y est, je vais pouvoir recommencer le point mousse. Mais la prochaine section a la particularité d'être en point mousse et avec de la brioche. Donc ça sera de la brioche unicolore. On fera qu'une fois le rang, il n'y a pas de raison qu'on le fasse deux fois. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Donc moi, ma brioche, mon point mousse, je le fais dans... j'ai oublié, So British, qui est super beau. Donc voilà, qui est vraiment très grand. Mais ça y est. Alors lui... Bon allez, l'objectif de finir la section suivante cette semaine, ça serait bien. Pour avoir plus qu'à faire la dernière section qui est pas très grande, mais la brioche encore, la bordure qui se fait en brioche et puis la écorce finale. Là, on est quand même arrivé, on en est rendu à 400 mailles sur le rang. C'est pas rien. Ce n'est pas rien, ça. Voilà. Ça se tricote. Ça prend du temps de tricoter un rang. Autre encours. Ah, ça me fait rappeler que j'ai encore ma couverture de crochet. Oh, je cumule les encours. On n'est pas fini avec les encours. Ma couverture de Steven West, là, Jigsaw Puzzle Blanquette. Hop, 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 j'en suis rendue à la section 34, je crois. Je sais pas, j'ai pas encore commencé aujourd'hui. Voilà, je vous avais quitté, j'ai fait cette section-là. Je vais en faire une autre. Deux, quoi, comme toujours, deux par semaine. Je ne sais pas, je ne sais plus trop laquelle je dois faire. Mais je pense que bon, je vais reprendre ici, on fait un triangle là. Doucement mais sûrement, ça approche la fin. Donc là, deux sections cette semaine. J'ai déjà sorti mes restes. J'ai ce reste-là qui m'avait servi à faire mon Bird of Feather. C'était la Cocon Yarns. C'était un coloris spécial pour Octobre Rose. Et là, c'est la Yarneline dans ses coloris exclusives. Dans la collection Les Exclusifs, c'était le coloris Anaïs et je viens faire mes Pignetto Sock avec. Et donc, hop, ça va directement partir dans ma couverture. Donc là, l'objectif de cette semaine, bah, comme toutes les semaines, faire deux sections. Bah, comme ça, elle avance petit à petit. Voilà, dans 3 mois, elle sera terminée. Ça va pas vite, hein, quand même. Ça va pas vite. Ça prend, mine de rien, ça prend du temps à faire. Mais bon, doucement mais sûrement, ça avance. Autre couverture encore. Je compte même plus le nombre d'encours que j'ai sur mes aiguilles. Il y en a beaucoup. En fait, ça va pas vite avancer cette histoire. Ma couverture au crochet, je l'ai pas avancée depuis que je vous l'ai montré dans le précédent vlog. Donc là, l'objectif c'est de faire les coutures dans l'autre sens. Moi, ça va aller vite, hein, c'est pas très long. Puis comme je vous disais, là, comme ils sont déjà tous assemblés, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Ah, ça, faut que je le finisse cette semaine. Je vais me mettre en objectif ça. Finir cette couverture-là, parce qu'après, il y a encore toute la bordure à faire. Et comme ça, elle sera terminée et prête à être offerte. Bébé est encore au chaud. Tout va bien. Maman se porte bien. Et bébé n'a pas encore pointé le bout de son nez. Donc là, on a quand même un gros pull. Le test pour Laetitia. Deux couvertures, une paire de chaussettes. Cinq en cours.
j'ai monté de nouveaux ouvrages hier. Je vous en parle depuis au moins 2 semaines, il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Le Whitmore Sweater, je fais la version pull de Amy Loden, et je tenais à remercier encore Isabelle qui m'avait offert le patron il y a un petit moment déjà sur Ravelry, et à qui je fais des gros bisous parce que je sais que c'est pas... Voilà, qu'elle traverse une période pas facile, donc je t'embrasse très fort. Et ça y est, je l'ai commencé. Et je comprends l'engouement autour de ce pull. Dur, dur de le lâcher. Donc voilà, on commence par les côtes. Moi j'ai fait un montage tubulaire parce que je me suis dit que ce pull-là, je voulais vraiment qu'il ait toutes les finitions belles. Ça, voilà, c'est un pull qui je trouvais très, très raffiné, très sophistiqué. Voilà, il est beau, il est élégant, donc je me suis dit je veux qu'il soit beau jusque dans les finitions. Donc j'ai fait un montage tubulaire, c'est pas ce qui est préconisé dans le patron, mais moi je l'ai fait. J'ai fait les côtes et j'ai commencé la dentelle. Alors on a énormément de marqueurs. Moi j'avais ressorti mes petits marqueurs abeilles, mais en fait pourtant j'ai beaucoup d'anneaux alvéoles et j'en ai pas eu assez, j'ai utilisé d'autres petits anneaux, là des petites gouttes de chez Apollonie, parce que en fait ça fait beaucoup beaucoup d'anneaux marqueurs, mais c'est vrai que c'est bien, ça permet vraiment de bien différencier le motif. On a, alors vous n'allez pas voir grand chose, hein, on a un premier motif ici, mais bon, vous n'allez pas, je suis tout au début, et on a un deuxième motif là qui se fait sur 3 mailles à ce niveau-ci. Mais bon voilà, j'en suis qu'au tout début. Mais alors c'est pas compliqué, franchement, c'est des points simples, le fait qu'il y ait des marqueurs partout c'est vraiment clair, le patron est disponible en français, il y a une traduction en français. Franchement, je trouve ça vraiment pas compliqué pour l'instant. Il va demander de l'attention, mais c'est pas du tout une dentelle compliquée. Je comprends les gens, c'est ce qu'ils disaient toujours. Et effectivement, je suis d'accord. Pour l'instant, je suis la taille S. En fait, j'avoue, j'hésite entre la taille S ou la taille M. C'est vrai que j'ai toujours entendu qu'il taillait grand, qu'il taillait très large, que le yoke descendait trop. C'est vrai que j'avais beaucoup entendu ça, donc j'hésite un peu entre les deux tailles. Et pour l'instant, pour faire le col, c'est le même nombre de mailles. Là, pour faire toute la première, le premier diagramme, c'est que ça soit la taille S, M, je crois que même L, c'est la même chose. Donc pour l'instant, je me dis, je poursuis. Et puis quand il y aura vraiment une différence entre le S et le M, bah, je verrai où j'en suis et je verrai vers quoi je me dirige. Mais voilà, donc je l'ai débuté. Après, c'est pas du tout ma priorité. Faut vraiment que je termine d'autres choses parce que là, j'ai 5 en cours. 5, donc là, 6 et il y en a un 7e. Ça fait beaucoup. Je le tricote avec de la teinture lurée, sa base BFL couleur Hunter Sandman, couplé avec du mohair de chez Yarneline, son coloris Madame Timide. Voilà, et les deux ensemble, ça donne ça. Ça va être beau, ça va être beau. Ça, c'est ce que j'ai fait hier soir et j'avoue que j'avais un peu de mal à lâcher la dentelle. J'ai fait quelques rangs, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier en cours que j'ai commencé, c'est le châle Red Katana de Svetlana... Je ne sais plus son nom. Je vous mets toutes les informations à l'écran. Que je tricote avec... Qui se tricote en sport et donc je tricote avec ces deux échevaux de la pelote vagabonde. C'était des restes, des échevaux non utilisés de mon rose cardigan. Et voici mon petit début. Voilà ce que ça donne. Donc ce sont là sur le... Comme c'est des rayures fines, c'est pas très contrasté. Vous voyez, c'est assez léger le contraste. Ça va... Ça se verra mieux après quand on va grandir... quand on va faire des rayures plus larges. Alors le patron ici, il est très succinct. Si vous aimez être tenu par la main, c'est pas le cas dans celui-là. C'est vraiment très simple. Il est que en anglais. La designeuse ne nous dit pas dans le patron à chaque fois quand est-ce qu'il faut changer de couleur. Elle nous dit, c'est dit au début de la section, faudra changer de couleur là, là et là, après tendrant, tendrant, tendrant. Mais ensuite, voilà, le rang 1 on fait ça, le rang 2 on fait ça, le rang 3 on fait ça, le rang 4 on fait ça, répétez ces 4 rangs, mais à nous de penser que ben tous les tendrants il faut changer de couleur. Donc voilà, ça demande un peu d'attention, faut recompter ses rangs, tout ça. J'avoue que j'étais pas sûre parce qu'au début, vous voyez, c'est tout petit, c'est pas évident de compter ses rangs sur si peu. Mais une fois que je suis arrivée là, que j'avais le bon nombre de mailles, je me suis dit c'est bon, j'étais bien partie. Donc maintenant ça va parce que c'est quand même plus lisible. Il faut savoir lire son tricot, voilà. Faut savoir lire son tricot et si vous aimez vraiment être tenu par la main, c'est pas forcément le plus simple. Après niveau anglais, il y a pas grand chose, hein. Il y a très peu de texte, c'est vraiment la base...
C'est vraiment très simple. Le patron, il tient sur 2-3 pages seulement. Il est vraiment pas. Il est simple, il est très simple, très clair, mais avec le strict minimum. Donc voilà, un nouvel en cours. Lui, c'est comme le pull, je sais plus. C'est comme mon Wigmore, il va pas énormément avancer cette semaine, mais au moins il est débuté, et puis il avancera un peu plus quand j'aurai avancé le reste. Donc là, l'objectif cette semaine, ça serait de faire une section sur mon châle de brioche, et bien avancer sur la couverture au crochet. Voilà, et après le reste, il avancera comme il peut. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull millefeuille, un modèle de Lolita, Loli l'a fait, qui au départ se tricotait avec une laine fingering et une laine surie. C'est comme ça qu'il avait été pensé, créé au départ. Désormais, je crois quand on achète le patron. Ah, je sais pas si elle a modifié le patron. Mais je l'ai vu passer aujourd'hui, elle en a parlé sur Instagram et sa nouvelle version qu'elle s'est tricotée. Elle l'a tricoté avec ses laines à elle, forcément, et donc en fait elle le tricote en déca et avec un fil de mohair. Voilà, ça fait une autre alternative, mais moi j'aime beaucoup le côté fingering et surie, c'est vraiment très chaud, très douillet. Voilà, hier j'ai quand même eu froid. Bon, j'ai pas eu froid parce que j'avais mis mon châle, mais aujourd'hui je me suis dit oh, non, non, je remets un bon gros pull bien chaud parce qu'en fait bah, il fait bien froid. Aujourd'hui il fait super beau, ça fait du bien. On est allé se promener avec mes petits loulous. On a mis les pieds dans l'eau parce que c'est vrai que j'avais pas. Hier j'étais pas sortie et en fait on a encore des endroits un peu inondés dans le village, mais j'avoue que ça s'évacue assez bien. Donc oui, les petits étaient contents, ils ont pu sauter quand même dans de l'eau. Il y avait la rivière sur la route. Mais ouais, non, ça va, c'est pas trop de dégâts cette fois-ci. Je me suis rendu compte qu'hier, je vous ai dit, ah, j'étais à la mercerie et tout. J'avais acheté un nouveau câble parce que je l'ai utilisé sur mon châle, une brioche pour le thé. Et qu'en fait, je vous ai même pas parlé de mes autres achats. Donc j'ai racheté des câbles Xiaogu. Donc j'avais pris un grand de 125 mètres pour. En taille small pour aller sur les aiguilles, c'est jusqu'à quoi? Taille 5. À partir de la taille 5, des aiguilles 5, je crois qu'on passe en large. J'ai repris également un large 93 cm parce que je me dis ça peut être toujours utile. J'avoue que j'étais un peu restreinte sur mon pull Magnolia parce que j'avais jamais investi dans beaucoup de câbles. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de racheter des câbles. J'en ai profité également pour reprendre des petits bloqueurs parce que c'est toujours utile. Justine, souvent quand on achète chez Justine, on repart avec un petit cadeau. Elle m'a offert ces petits bloqueurs de mailles, trop mignon. Et je tenais à remercier Cécile parce que j'ai bien eu ton cadeau à la mercerie. Alors je l'avais vu sur Instagram parce que Justine l'avait partagé sur Instagram et je m'étais dit ah c'est beau, j'aime beaucoup. Et quand je suis allée à la boutique, Justine me dit ah j'ai quelque chose pour toi. Une cliente avait donc réservé quelque chose pour moi pour me l'offrir. Donc un grand merci à toi Cécile et j'ai eu le petit contre-en Pikachu. Trop mignon avec le petit éclair là qui peut bouger pour marquer les dizaines. Ah trop choupi. J'avais déjà quelques anneaux marqueurs Pokémon. Je sais plus, on a, je sais plus. Je sais qu'on a Bulbizarre. Je dois avoir Rondoudou. Moi, je sais plus. Mais maintenant, bah voilà, j'ai un petit contre-en Pikachu, c'est trop mignon. Donc encore un grand merci à toi, Cécile. J'ai bien eu le cadeau. Merci beaucoup. C'était une chouette surprise quand je suis allée à la mercerie. J'ai avancé sur ma couverture au crochet. Hier, je me suis dit, allez, hop, on fait les coutures. Et en fait, je me suis lancée. Une fois que j'étais lancée, je me suis dit, allez, je termine tout. Et voici ce que ça donne. Hop. Donc, une fois quand même tout crocheté, ça rend bien. Une fois qu'on a plus tous les petits trous, c'est pas mal.
Donc, vous voyez, il y a des rangées où c'est que du vert, vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé. Et il y en a d'autres, c'est grège, vert clair. Voilà. Donc, j'ai mis tout, sur Ravelry toutes les pelotes que j'avais achetées. En fait, tout ce que j'ai acheté a été utilisé pour la couverture. Et j'ai même utilisé le restant de mon pull à nœud pour faire la bordure. Alors, j'ai finalement fait qu'une bordure simple tout autour. Je vous redis après pourquoi. Mais j'ai même eu besoin de ce vert-là pour faire une couture. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Vous voyez, celle-là, cette couture, c'est pas le même vert qu'ici. Parce que j'avais plus de ce vert-là. En fait, dans ma dernière pelote de vert foncé, j'ai fait un carré. Et après, avec le reste, j'ai fait toutes les coutures qu'il y a derrière. Vous voyez? On voit bien toutes les coutures. Et ben, j'en ai pas eu assez pour faire toute ma couverture. Donc, si vous faites comme moi et que vous tricotez, vous crochetez un peu lâche, gardez bien tous vos restes de fil. Parce que, comme je vous avais dit, je fais 4 carrés dans une pelote, il y avait quand même toujours un peu quelques mètres en plus. Ça peut vous servir pour finir les coutures derrière. Bon, là, comme j'avais ma pelote de crunk sous le wool, j'ai crocheté la dernière rangée qu'il me fallait avec ce verre-là. Et j'ai remarqué que c'était quand même un fil qui est quand même beaucoup plus fin que ce que j'utilisais. Hop, je sais pas si je peux essayer de vous montrer. Vous voyez, il est plus fin. Et donc, je me suis contentée de faire une bordure en maille serrée tout le tour. Et j'ai pas essayé de faire quelque chose, faire une jolie bordure, parce qu'elle aurait été beaucoup plus fine que mes carrés. En fait, ça aurait été, je trouve, trop petit, trop fin par rapport au reste de la couverture qui est quand même assez épaisse. Donc, je me suis juste contentée de faire une démaille serrée tout autour pour que ça termine bien proprement la couverture, et maintenant elle est terminée. Il me reste à couper tous les fils, à rentrer certains fils qui n'ont pas été rentrés en même temps que je crochetais, parce que moi il y en a beaucoup quand même que je suis venue coincer. Quand je faisais par exemple la bordure, je suis venue coincer des fils, mais vous voyez celui-là, bah, je l'ai oublié, il va falloir que je le fasse à la main. Il y en a certains façons, hop là, qui sont sur le devant, il faut les rentrer. Donc je vais encore tout bien ranger, et puis voilà. Allez, carré! Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'avais fait un schéma. C'était une couverture rectangulaire pour aller dans un lit de bébé. Je sais pas ce que j'ai fait quand je l'ai assemblé les carrés. Toujours est-il que bah, maintenant, on a un carré. Mais bon, c'est pas grave. Elle est jolie. Franchement, elle est jolie. C'est un joli rendu. J'aime bien. C'est joli. J'aime bien. Je trouve ça joli. Mais voilà. Vraiment, j'étais au bout de la laine. À part tous les petits restes des pelotes, ben, j'ai pas de pelote concrète. C'est vraiment. Je sais plus, ça fait 650 grammes au total, je crois, de laine. Mais ça y est, c'est fini. Hein, une fois, en fait, hier, une fois que je me suis mise dessus, bah, hop, ça m'a fait ma soirée. Et je l'ai terminée comme ça. Voilà, je me suis dit, c'est une bonne chose de faite. Je la relaverai pas avant parce que chaque carré vient d'être lavé et tout. Mes chats ne dorment pas dessus. Je fais attention de, voilà, qu'ils ne puissent pas aller dessus. Donc, je ne vais pas la relaver. Je suis désolée, je disparais derrière la couverture. Il me reste plus qu'à donc finaliser les petits fils à rentrer que je vais pas faire là tout de suite parce que aucune motivation pour le faire, mais je le ferai plus tard. Alors, ça sera forcément fait avant d'être offert. Oh, c'est beau, hein, c'est quand même beau, hein, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, une bonne chose de faite. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, ça a quand même été long à faire. Ça fait quand même une belle couverture, mais j'aurais pensé, ouais, que ça aurait été plus rapide. Mais en tout cas, je suis contente du résultat final. Voilà. Est-ce que je le referai? Non, puisque je la trouve vraiment lourde pour ce que c'est. Le fil se dédouble. Alors là, je le vois parce que. Regardez. C'est les fils. Il est complètement dédoublé. Il y en a plusieurs qui font ça. Donc, je suis pas non plus convaincue par le fil. Il est très doux tout ça, mais c'est vrai qu'il se dédouble là, il s'est dédoublé après avoir été lavé en fait. J'ai des carrés qui se sont dédoublés. Je venais de la plier, elle vient de se déplier complètement. Enfin voilà, donc ça c'était pour la petite avancée, bah, une belle avancée du jour. Je suis contente, j'ai terminé ça. Il reste plus que la partie vraiment la plus longue, ça va être de rentrer bien tous les fils, de bien finaliser ça. Mais voilà, le plus gros du travail quand même, il est fait. Je vous retrouve aujourd'hui, je porte le pull, je crois qu'il s'agit du modèle Nikki de Nadia de NC Anits.
Voilà, l'un de ces jolis patrons en jacquard. Celui-ci, il y a quelques rangs avec trois couleurs sur le même rang. Mais sinon, voilà, c'est un très joli, comme tous ces autres jacquards. J'aime bien. C'est très graphique, c'est simple à tricoter. J'aime beaucoup. Et là, j'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura. Voilà, c'est un fil quand même qui tient chaud et tout, et que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était pour ce que je portais, le Niki. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai lancé un concours sur YouTube. Alors que vous voyez cette vidéo, vous pouvez toujours participer sur YouTube, sur Instagram. Je suis submergée de commentaires, de messages. Mon téléphone ne fait que clignoter parce qu'il a des nouvelles notifications. Voilà, c'est un peu incroyable, mais bon, c'est surtout là, je pense, aujourd'hui parce que c'est le lancement des concours. Donc, bonne chance à tous. Il y en a un donc sur une vidéo spécifique sur YouTube et il y en a deux autres sur Instagram sous deux posts différents. Voilà, bonne chance. Sinon aujourd'hui, alors on va pas parler laine, on va quand même parler tricot. J'ai reçu quelque chose. Je vous montre la taille du carton. Je vous rassure, c'est pas de la laine, pas du tout. J'ai passé une commande chez Lily comme tout, c'était pas prévu. Il m'a fallu une journée de réflexion. Je tournais autour d'un nouveau produit qu'elle avait en boutique. Et voilà, j'en avais parlé avec mon chéri parce que c'est quand même un achat à conséquence et un budget. Et est-ce que c'était forcément utile? Est-ce que j'en avais forcément le besoin et tout? Et j'ai regardé, j'ai hésité, j'ai laissé la nuit passer. Le lendemain, j'étais revoir, et puis mon chéri qui me dit, bah, tu l'as pas encore commandé? Je lui dis, bah non, j'hésite, le prix, tout ça. Il me dit, non, mais vas-y. Donc voilà, j'ai mon matériel depuis longtemps, sauf que maintenant, depuis quand je mets, ça fait 4 ans que je fais des... plus de 4 ans que je suis sur YouTube, je pense que j'avais déjà mes chats au goût au départ. Donc, ouais, j'ai dû acheter mes aiguilles il y a bien, bon, il y a longtemps, quoi. Depuis, je rachète peu de matériel, à part bah, par exemple là, c'est tombé que j'avais racheté deux câbles chez Justine, mais c'est vrai que bah, du matériel, des aiguilles, tout ça, j'en achète plus, j'achète que de la laine. Et donc là, j'ai craqué pour un nouveau produit qu'elle avait, Lily comme tout, Julie. Un produit qu'on peut pas trouver en France a priori, apparemment, d'après ce qu'elle a marqué, elle était la seule revendeuse. Oh, c'est lourd. Ah, je m'attendais pas. C'est un grand carton pour ceci dedans. Mais il n'y a pas que cela, je vous rassure. Et j'ai donc acheté... Est-ce qu'il y a quelque part... Il y a une étiquette là. Ça vous aide peut-être pas. Hein. Je vais ouvrir. J'ai acheté un nouvel accessoire tricot. J'ai été chercher les ciseaux pour ouvrir ça. Hop! Hop! Je vous montre comment ça se présente. Peut-être que certains auront deviné. Ça fait son poids, hein, mine de rien. Il y a des grosses bulles autour. Les enfants vont adorer éclater les bulles là. Et voilà, un bobinoir électrique. J'avoue que voilà, j'y avais déjà pensé parce que bah, j'en ai déjà vu, mais souvent c'était chez des teinturières. Je savais que c'était très cher, je savais que c'était pas disponible en France. Donc voilà, j'avais jamais franchi le pas, mais là que c'était disponible en France, et j'avoue que voilà, te bobiner mes écheveaux à la main, j'en avais quand même bobiné 8 la semaine dernière, je commence à en avoir marre de bobiner à la main, je me suis dit, allez, je me fais plaisir, on va dire que c'était le dernier truc matériel que j'avais pas, forcément c'est pas indispensable, hein, loin de là, donc je vous le dis, hein, il est vendu 200 € chez Lily comme tout. Un bobinoir, moi mon nid pro il est vendu 40 €, forcément voilà, c'est pas la même chose, mais bon, au moins j'aurais pu à m'embêter. J'ai acheté le bobinoir et en fait mine de rien il fait son poids, donc il est vendu avec deux bobines qui viennent se placer là dessus, il y en a deux différentes, voilà, et il y a le serre-joint qui se met, je pense qu'il doit se passer, est-ce qu'il s'est là ou là, bon bref, il y a le serre-joint pour l'accrocher à une table.
C'était le gros craquage. C'est un budget, certes. Hein, c'est comme acheter des aiguilles IAIA ou Xiaogu quand on achète un kit. C'est pas donné. Mais je pense que de toute façon, c'est comme dans tout loisir. À partir du moment que ben, on est beaucoup investi dedans et qu'on achète du matériel, ben, mine de rien, ça coûte un certain prix. Donc j'ai acheté ça. Et en même temps que j'ai acheté ça, ben, j'ai acheté un nouveau dévidoir. Et c'est ça qui faisait que le carton il est immense puisque j'ai acheté un dévidoir tout en longueur. J'ai acheté le dévidoir de chez Xiaogu. J'ai acheté celui qui se pose à plat, qui n'a pas besoin d'être fixé. Alors moi j'ai le fameux parapluie en bois qu'il faut fixer sur un meuble et je n'ai pas beaucoup de possibilités chez moi pour accrocher ça. On a très peu de rebords à la maison qui soient assez fins pour permettre d'accrocher un serre-joint. Donc là, vu qu'il va falloir que lui, je l'accroche quelque part, je me suis dit, bah, façon quitte à acheter ça, hein, on n'était plus à un dévidoir près, et j'ai pris celui de chez Xiaogu qui se pose à plat, et que donc je vais pouvoir mettre n'importe où, et ça va être chouette. Celui qui était en bois, il n'avait pas de défaut, si ce n'est que des fois, je sais même pas pourquoi d'abord, mais des fois j'ai la laine qui s'enroulait autour du mât. Vous savez quand il est déployé, bah, en dessous on a le mât et j'ai des fois le fil qui s'enroule en dessous. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me fait un peu peur avec le dévidoir, avec le bobinoir électrique, c'est que de pas me rendre compte s'il y a un nœud, s'il y a un souci. C'était ça ma réflexion qui m'a fait un peu douter de mon achat. Parce qu'il y a des fois quand je bobine un écheveau, il y a un nœud. Et donc ça coince, ça s'arrête, mais quand c'est avec la main, on sent tout de suite, on s'arrête. Là j'ai peur que de manière électrique, de pas m'en rendre compte assez vite et que ça pose problème. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça devrait aller, on verra bien. J'ai quand même prévu de garder tout mon ancien matériel, surtout mon bobinoir à main pour tout ce qui va être écheveau poilu, parce que je me dis que la machine électrique, les pois poils, ça va pas lui plaire. Donc je continuerai à faire tout ce qui est écheveau de mohair à la main. Alors, je sais même pas comment ça se met, bon ça doit pas être bien compliqué. Donc ça arrive en plusieurs morceaux. Et voilà, ça fait une belle hélice d'avion, d'hélicoptère. Non, c'est pas mal. Et donc là, hop, on a plusieurs trous. On a les morceaux ici, les pics. Et donc en fonction de la circonférence de votre écheveau, voilà, vous mettez le bâton dans les différents trous pour que ça soit le mieux adapté à la taille de votre écheveau. Ah, il y a quelque chose d'écrit là-dessus. 85 cm 100. Donc ça va de 155 à 85 cm. Donc voilà la nouvelle acquisition. Qui n'était pas prévue, mais qui m'a fait plaisir, qui va me faire gagner du temps. Le seul bémol, c'est que là, tout de suite, j'ai rien à bobiner. Je me suis embêtée à bobiner tous mes écheveaux la semaine dernière à la main, parce que franchement, je m'y attendais pas. Julie, de Lily, comme toi, elle avait pas annoncé qu'elle allait vendre un bobinoir ou autre. C'est d'un coup, elle a mis ça sur Insta, c'est en vente. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y en a plus. J'ai été voir, il est sold out. Il y en a plus pour l'instant, il est épuisé. Je pense qu'elle va en recommander qu'il y en aura plus tard à la rigueur. Je pense qu'elle va en recommander qu'il y en aura plus tard, mais c'est vrai que là, tout de suite, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais maintenant, si j'avais su, je ne serais pas embêtée à tout bobiner à la main la semaine dernière. Parce que mine de rien, ça prend du temps, c'est quand même physique. Alors moi, au départ, j'avais un bobinoir en bois. Ouais, c'est ça, j'avais le bobinoir en bois. Et alors celui-là, ça faisait super mal au bras, c'était vraiment très très pénible. Quand je suis passée au Nid Pro en plastique, ça allait quand même beaucoup mieux. Mais il s'avérait que celui en bois, en fait, il était usé, il était devenu vieux, usé. Et donc c'est pour ça que c'était devenu très pénible de faire des cakes, de faire des pelotes. Après, je suis passée au Nid Pro en plastique. Alors là, c'est gagner du temps. Mais j'avoue que voilà, quand il faut bobiner plusieurs écheveaux, c'est quand même fatigant, ça fait mal au bras. Donc bon. J'ai investi dans l'électrique, qui est quand même marqué que c'est pour un usage personnel et non professionnel. Pas fait pour bobiner apparemment 10 000 écheveaux dans le mois.
Donc voilà, je pense que bon, je bobine quand même pas mal de laine, ça va me soulager, mais je bobine pas non plus de manière professionnelle. Donc voilà. Et je vous redirai mon avis sur le bobinoir électrique, sur ce dévidoir-là, ce que je préfère entre celui de parapluie ou celui à plat. Mais au moins, lui, je peux le poser n'importe où et ça, c'est chouette. Voilà, c'était la réception du jour et c'était une sacrée réception. D'ailleurs, on est quand là? On est le 28 février, je crois. Oui, c'est ça. Donc, faut que je fasse mon. Demain, faut que je fasse le compte là de la laine pour le défi. Ça va, c'est pas mal. Ce mois-ci, voilà. Je pense qu'à la fin, je reste sur un solde positif. Hein. J'ai fait encore rentrer de la laine. J'ai pas réussi à absorber toute la quantité de laine reçue que j'avais achetée ou reçue en janvier. Mais ce mois-ci, quand même, j'ai bien tricoté et un peu moins acheté. Donc voilà, la balance commence à s'équilibrer. Il faut voir comment ça se poursuit dans les mois à venir. Aujourd'hui, je porte le pull Coffee, un modèle de Même les anges tricotent, que j'ai tricoté avec la base BFL Cachemire Soie de teinture lurée. Le coloris, bah, Hunter Sandman, que je vous remontre, que je tricote en ce moment pour mon. J'ai perdu son nom. Le Whitmore. Hop, vous voyez là, c'est que sur du BFL. Et là, c'était sur BFL, Soie et Cachemire. Bon, de toute façon, déjà, c'est pas le même bain, tout ça. Celui-là, il a déjà bien. Ça va faire plus d'un an que je l'ai en stock. Mais vous voyez, en fonction un peu des bases ou ben, des bains de teinture, c'est plus ou moins clair. Celui-là est quand même ressorti plus clair que celui-là. Mais ça reste quand même, de toute façon, la même recette à la base. C'est le même coloris, mais sur des bases différentes. Vous avez pu voir dans les petites images avant, forcément j'ai testé. J'ai testé le bobinoir électrique. Déjà ma grande première surprise, c'est très silencieux. Ça fait un léger bruit, mais c'est vraiment pas. Voilà, c'est vraiment. Il fait très peu de bruit. Franchement, j'ai été très surprise. Je m'attendais à vraiment quelque chose de bruyant. Et en fait, non pas du tout. Il fait vraiment très peu de bruit, c'est très agréable. Ça ne bobine pas à une extrême grande vitesse. J'avais peur que ça fasse. Mais non, en fait. Je pense que ça bobine un peu plus vite que on peut faire à la main, mais sans que ça soit non plus extrêmement rapide. Ce que j'apprécie, c'est que je pense que ça permet d'éviter les catastrophes si jamais on voit qu'il y a un souci dans le cours de bobinage. J'ai d'abord essayé avec un kit à chaussettes, le mini en premier. J'y suis allée progressivement. J'avoue, j'en avais un peu peur. Je sais pas, je me suis dit, on sait jamais. Alors moi, je trouve que s'il bobine plus lâche que ce que nous on fait à la main, que ce que nous on faisait à la main. Mais chez moi, la manière dont pour disposer et le dévidoir en forme de parapluie plus mon bobinoir à la main, il y avait peu de distance entre les deux. J'ai le chat qui se gratte. Ça fait du bruit et ça tremble. Donc il y avait peu de distance entre les deux. Est-ce que c'est ça qui faisait que j'avais peut-être beaucoup de tension dans mes cakes?
dans mes pelotes, je ne sais pas. Là, j'ai respecté la distance. En fait, c'est en rachetant un dévidoir. Il était marqué sur le site de Lilycom2 qu'il était conseillé. Il était conseillé de quoi? D'avoir à peu près 1 mètre de distance entre le bobinoir et le dévidoir. Chose que là j'ai pu faire en ayant le fameux dévidoir sur pied. J'ai pu le mettre où je voulais. Donc ça. J'ai un cake qui est moins. Ben, j'ai déjà oublié le mot. Qui est moins tendu que quand je le fais à la main. Donc au début j'ai essayé avec mon mini, ça a été super bien. Ça c'était sans mon chéri, j'ai dû attendre le soir qu'il rentre pour faire la suite parce qu'il voulait une démonstration. Donc j'ai fait un écheveau de 50 grammes, c'est de la laine auto-rayante, c'est le coloris, le Ch'ti Bazar du Bruit des Aiguilles 2020. Ah, oh, j'ai fait celui 2023 en premier? Celui de cette année alors. Oh, j'ai celui de 2022 aussi à faire. Oh, je les aurais pas fait dans l'ordre. Oh, j'ai pris un truc, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après, parce que en soi j'avais pas grand-chose à bobiner. Bon, bref, j'ai pris un, voilà, les prochaines chaussettes que je tricoterai donc. Et comme ça j'ai pu tester, j'ai bobiné. Et c'est vrai que voilà, c'est impressionnant, ça se fait bien, ça se déroulait bien. Le bobinoir sur pied là, il a pas bougé tout ça. Donc comme ça va pas non plus trop vite, bah il gère bien, il tourne bien. Donc non, pas de problème avec ça. Ça s'est très bien passé. Et puis je me suis dit, et là vous avez pu voir l'image, je suis en pyjama, pilou pilou. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais quand même un écheveau à bobiner, c'est un écheveau le Muse de Langerne. Donc j'avais dit pas de truc poilu, mais j'avoue que le Muse, bah en fait j'avais envie de retester le bobinoir et je me suis dit allez on tente le tout pour le tout. Dans la description du produit il était marqué qu'on peut bobiner jusqu'à 125 grammes de laine. Mais bon c'est un peu flou 125 grammes de laine. Je pense qu'on va partir sur une idée de mérinos, 125 grammes de laine mérinos. Moi j'ai les. Ah, ouf. 125 grammes de laine, vraiment pure laine, mérinos, alpaga, voilà, quelque chose, voilà, 100% laine, peu importe, voilà, si c'est alpaga ou du mouton, mais voilà, de la laine. Et moi, j'ai voulu bobiner mon écheveau de Muse, donc c'est un écheveau qui fait que 100 grammes, donc normalement ça allait, mais c'est quand même 580 mètres pour 100 grammes, quasiment 600 mètres, donc ça fait vraiment une grosse pelote. C'est 84 d'alpaga, suri d'alpaga, 17% de nylon et 3% de laine vierge. Il y a quand même pas mal d'alpaga dedans, c'est du suri donc. Mais 18, ouais, 17% de nylon. Mais voilà, il y a quand même 600 mètres, quasiment 600 mètres pour 100 grammes, donc ça fait un gros. Ça fait vraiment un gros cake. Et là, j'y avoue qu'à un moment j'ai eu un peu peur parce que je voyais bien que la pelote elle était de plus en plus grande et je me suis dit est-ce que bah, j'ai pas vu un peu trop grand? Et ça a été. Alors ça me fait un creux, vous voyez. Là, on voit bien en fait la forme du. La forme de ceci là, vous savez, la base de ce machin là. Oui, c'était vraiment en fait. Ça a été jusque là au bout, et ça a dépassé quand même de tout ça. Sans que ça s'en mêle, sans que ça se coince nulle part, ça a été très bien. Mais là, vraiment, je crois que c'est la limite qu'il pouvait accepter. Ma foi, ça s'est bien passé, malgré tous les petits poils. Alors les poils sont restés surtout autour. Ils ont volé autour du dé. Dévidoir et non du bobinoir, donc pas de fil près du bobinoir, donc ça a été, c'est prêt. Après ça reste de la suri, je pense que ça perd un peu moins ses pales quand on le bobine que vraiment du mohair. Mais voilà, c'était vraiment la limite. Et puis en plus, comme là, le fil il a pas bougé, le creux il est resté, c'est assez rigolo. Mais voilà, bah pour l'instant, première expérience, ça s'est très bien passé. Mon cher, je tricotais pendant que ça bobinait ça, parce que bah, 600 mètres, c'est quand même pas rapide. Et ça a fait rire mon chéri de me voir tricoter et voir la laine dans le salon qui se bobinait toute seule, c'était assez rigolo. Et il a reconnu que oui, quand même, en fait, bah, c'était vraiment pratique et que ça allait quand même changer pas mal la vie, parce que bah, je le réquisitionnais beaucoup quand même pour bobiner mes écheveaux. Mais voilà, donc maintenant, je l'embêterai plus. C'est voilà, c'est facile à mettre. Après, ça s'utilise comme un bobinoir et un dévidoir classique. Hein. Voilà, j'installe ma laine, on passe dans le petit chat, on coince là dans les encoches et puis c'est tout. Au lieu de tourner la main, on appuie sur le bouton et ça se fait tout seul. Donc voilà, première expérience, franchement, ça a été. Alors sinon, aujourd'hui, j'ai fait le compte de mes laines, de ce que j'ai tricoté et de ce que bah, j'ai acheté, reçu. Alors je suis content, j'ai tricoté plus que ce que j'ai fait entrer ce mois-ci. Donc je suis contente. Il y a au total 1300 grammes de laine qui sont rentrées et j'ai pu en sortir 1425 grammes.
Donc voilà, c'est un bon ratio, je suis vraiment contente de ça, c'est bien. Alors, le mois dernier, j'avais un solde positif de 1900 grammes. Là, j'en suis à 1775 grammes. Ça m'a permis de diminuer un petit peu l'excédent du mois dernier, mais l'excédent du mois dernier étant vraiment conséquent, c'est un peu compliqué. Voilà, ce mois-ci, j'ai réussi à réduire 225 grammes. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais voilà, c'est possible. Donc ouais, ce mois-ci, j'ai quand même énormément tricoté. J'ai été voir, le mois dernier, j'avais enlevé 750 grammes. Mais ce mois-ci, il y a eu mon pull Velaris que j'ai testé pour Nadia, tenue défilé, tenue en double. Donc ça a fait un peu plus de métrage. Et donc ça a été fait. J'ai fait un châle, le châle fer. Vous n'avez pas encore vu fini parce que vous les verrez quand ils seront sortis. J'ai fini mon châle Oberon. J'ai avancé sur toutes les autres choses, dont mon pull Magnolia. Hop, qui a bien avancé. Et je peux vous le montrer, le corps terminé. Voilà, et voilà donc ce que ça donne. C'est pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle du pooling, il n'y a pas de grosses taches. La couleur se répartit bien partout sur le pull, donc c'est chouette. Alors, pour faire tout mon pull, il m'a fallu quasiment un écheveau de muse. Donc voilà, c'est quasiment les 580 mètres. Deux pelotes Bliss de Wooladix et environ, je crois, une pelote et demie de Mohair pour tout le corps. Voilà, c'est ce qu'il m'a fallu pour faire. Donc voilà pour ça. Pour les manches, ben en fait, il va me rester du fil hein, parce que je pense que pour les manches, une pelote de Bliss, il faudra certainement pas toute la pelote, les chevaux de Muse. Et puis certainement une pelote de mohair et ça sera bon. Et ça sera bon. Donc les manches, elles se font toutes droites, on resserre et puis on fait des côtes. Voilà pour mon Magnolia Bloom. Non, mais je suis contente, j'aime bien le rendu. Alors je comprends que ça peut ne pas plaire, mais voilà. Voilà pour celui-là, objectif atteint. Bon, ça va vite en fait. C'est tricote en 6, ça va vite. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, on arrive à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Paris-Brest, la marinière de Lolita, Loli l'a fait, avec ses jolies rayures, vous voyez, qui vont de la plus grosse à la plus fine. Il n'y en a pas sur le haut du corps et le haut du dos est texturé. Ça fait un joli triangle texturé. Avant de revenir vous faire le bilan de ce que j'ai tricoté, voilà, faire un point sur mes tricots. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. C'est pas de la laine, mais c'est fabriqué par une tricoteuse que vous avez peut-être déjà eu la chance de voir sur des festivals. Il s'agit de Letty, les trois chats, et elle réalise des bougies. Et moi j'adore ces bougies depuis que voilà, depuis que j'ai pu tester les siennes, on n'utilise que ces bougies à la maison. Franchement, elles sont top. Elles sont vraiment top. J'ai déjà ouvert le paquet, c'était super bien emballé. Il y avait des petits paquets, un petit paquet de bonbons. Bon, nous, on a un chacun, elle est vraiment trop adorable. On a des petits stickers. Et je vous montre. Vous voyez, les bougies sont emballées comme ceci. Et là, j'ai deux petits cadeaux. Là-dedans, c'est du thé. Thé corsé, figue, châtaigne, mandarine. Et là-dedans, je ne sais pas, je vais ouvrir tout de suite. Ça doit être des anneaux marqueurs ou quelque chose comme ça, je pense. Alors, il y a sa petite carte avec ses coordonnées. Un petit sticker, merci, avec un petit anneau à marqueur. Ce sont les cœurs de chez de la marque Adi. Ce sont des anneaux marqueurs cœur. Et il y a également, hop, moi j'ai reçu deux petits embouts d'aiguilles, des petites boules toutes noires.
Voilà pour les petits goodies. Merci, Letty. Et donc, on va ouvrir. Elle a sorti sa collection de printemps. Et j'ai regardé ce que j'avais. Effectivement, du printemps, j'en avais plus. Je crois pas avoir craqué cette année à Noël parce que j'avais encore celle de l'an dernier que j'aimais beaucoup et que j'avais pas fini. Moi, je termine pas forcément les bougies. Vous voyez, il me reste encore Epiphanie que j'ai pas fini de l'an dernier et que j'ai pas mis beaucoup cette année, donc c'est vrai qu'il m'en reste encore. Elle sera encore là l'année prochaine. Voilà, je fais vraiment en fonction des périodes, de ce que je ressens, tout ça. Donc, enfin, voilà, je finis pas. Une fois que je l'ai allumée, je la finis pas forcément. Je l'arrange et puis je ressors une autre en fonction de mes envies. Donc là, dans sa collection de printemps, il y a Love is in the Air. C'est floral jasminé musc. Oh, le printemps, ça sent bon. Ah, vous voyez, elles sont parfaites ces bougies. Elles sont super bien. Elles se fondent super bien à l'odeur. Elle est. Je saurais pas vous décrire. Franchement, voilà, floral jasminé musc. Ça décrit bien. Moi, je suis nulle pour faire les odeurs. Jasmin des bois, floral, jasmin et musc. Ça sent bon. Ah, ça sent plus la fleur. Ah ouais, jasmin des bois. Franchement, c'est ouais, celle-là, elle fait plus fleurie que celle-là. Ah, ça sent bon. Et la dernière que j'ai prise, c'est l'amoureuse ambrée musquée orientale. J'ai un truc avec le musc, le musqué. Hein. Franchement, je sais que c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. Ah, c'est vraiment différent. Beaucoup plus délicat, plus doux que les deux autres parfums. C'est assez incroyable. Parce que vous voyez, on a toujours en fait trois adjectifs pour qualifier ces bougies. Ça permet de s'aider un peu parce que c'est sûr que bah, là on les sent pas. Alors moi je sais qu'elle était là au Ch'ti Bazar et on pouvait donc sentir les bougies et comme ça bah, on sent, on peut savoir. Après que là sur internet il faut se fier à ces indications qui je trouve sont bonnes. Mais non, jasmin des bois. Ouais, il fait plus fleuri que Love is in the Air et qui est plus frais. Ah ouais, non, c'est pas pareil, c'est pas du tout les mêmes odeurs. Oh, c'est super bon. Et l'amoureuse, beaucoup plus doux. Enfin voilà, c'était ça, bah, juste parce que je voulais vous en parler. Et chose qu'il y a, je veux dire, aucun rapport, mais j'ai reçu le livre, je l'ai acheté. Un palais d'épines et de roses. Puisque c'est de là que sont tirés les deux noms des prochains modèles de Nadia qui vont sortir, le gilet fer et le pull Velaris. Voilà, j'étais curieuse. Beaucoup d'entre vous avaient lisé ce livre, cette saga. Donc bon, bah, je me suis acheté le tome 1 pour voir. Ça a l'air d'être du fantastique. Moi, je vois qu'il y a des fées. C'est pas un univers qui me dérange du tout. Je pense que ça va me plaire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de type de roman. J'en lisais beaucoup avant, puis j'avais arrêté de lire, puis ensuite après j'ai découvert les Cozy Mysteries, je me suis mis à fond dedans. Et maintenant j'ai découvert un peu tout ce qui est. J'ai découvert Virginie Grimaldi. Je découvre et j'aime bien, c'est vraiment encore autre chose. Donc là en ce moment je relis du Cozy Mystery. Je vais être contente de lire ça. Ah oui, puis entre deux j'avais aussi découvert comment on appelle? Je sais plus. Ah, le truc avec le macareux. Et les cupcakes café et. Ah, j'ai plus du tout le nom de l'autrice. À moins que ce soit un auteur. J'en ai aucune idée. Non, si c'est Jenny Colgan, je crois. C'est ça. J'ai découvert. Voilà. Ouais. Je lisais beaucoup de livres de ce genre-là. Ensuite, j'ai découvert les Cozy Mysteries il y a un peu plus d'un an. J'ai été à fond dedans. J'ai découvert Jenny Colgan. Donc, j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, j'en ai lu beaucoup en fait. Je me suis dit que ça correspondait bien à l'été à la période de l'été. J'avais lu en plus le. Je dérive complètement, mais c'est pas grave. La boulangerie au bout du monde, on était en vacances en Bretagne, on voyait des îles avec des phares et tout. Hein, bref, il y avait des macareux partout dans les magasins où on allait, donc c'était vraiment. Ça représentait tellement bien le livre que je lisais à ce moment-là. Et j'ai découvert aussi Virginie Grimaldi que j'ai commencé à lire aussi. À Noël, j'ai lu tous les Jenny Colgan qui avaient lieu à Noël ou en hiver. Là, j'en ai encore lu un, je sais plus, l'hôtel, le je sais plus. Je mélange. Par contre, je mélange un peu tous les noms des séries. Un hôtel au bord de la mer, je sais plus trop, là, sur l'île, à Mur, là, avec les Iliens qui sont tout seuls sur leur petite île.
J'ai lu le truc qui se passe à Noël, là, juste là récemment, il n'y a pas longtemps, et je suis repartie dans les Cozy Mysteries. Et je trouve que voilà, je suis un peu léger, j'essaie de suivre les saisons, tout ça pour mes livres. Mais voilà, ma prochaine lecture, ce sera celui-là pour voir, pour découvrir un peu, parce que bah, à force de tricoter mes châles, mon châle et mon pull, et que vous m'en parliez souvent, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Enfin voilà, donc je vais aller m'installer à mon bureau et on va faire le petit point sur mes tricots sur mes tricots en cette fin de semaine. Ça y est, on va pouvoir faire le petit point tricot de la semaine. Je suis contente, j'ai bien tricoté. Alors après, voilà, c'était une semaine de travail un peu moins chargée que mes semaines habituelles. Voilà, j'ai pas fait 50 heures semaine, donc forcément ça aide, ça a laissé du temps de tricot. Et donc j'en ai profité. En plus, nous, les garçons étaient chez leur papa, donc vraiment. J'ai eu du temps pour moi, mon chéri est allé à son sport, donc j'ai eu des soirées toute seule à tricoter tout ça. Ceci explique cela, j'ai quand même bien avancé, j'ai tenu, je crois, tous mes objectifs ou presque. Donc c'est pas mal. On va faire un petit point sur ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit mon pull donc, que je porte, le Paris Brest, je l'ai tricoté avec les laines de Léna Mouret, un kit, ce qui était préconisé, le kit de départ quand le patron avait été vendu. Alors, mon châle que je teste pour Laetitia même les anges tricotent. Je vous montre où j'en suis. Regardez-moi cette merveille. Vous voyez, je suis à un cap de 125 cm. Et on peut même pas l'étaler au complet. Ça va être vraiment grand. Il est déjà très grand là. Très large à ce niveau-là. Ah ouais, il va être hyper enveloppant. J'ai terminé la section 4. Ah, vous voyez bien. J'avais peur que ça ne se voyait pas forcément bien, mais là, j'ai l'impression. Mon retour caméra, je vois bien. Vous voyez bien le motif de brioche qu'il y a dans le point mousse. Ça forme des jolis losanges. Alors, c'est vraiment pas compliqué. C'est super bien expliqué. Vous suivez à la lettre ce qui est dans le patron. Il n'est pas encore sorti. Hein. C'est un test où il sortira à la fin du mois de mars, là. Vous suivez exactement ce qui est marqué dans le patron. Alors, c'est un motif simple parce que c'est pas un motif qui se fait avec des augmentations ou des diminutions. C'est vraiment très simple. Et c'est très joli le rendu. J'ai compté assez régulièrement. Au début, je comptais pas mal mes mailles entre les motifs et après la logique, elle rentre. Donc moi qui ai voilà, une certaine expérience de tricot, tout ça, j'avais plus besoin de suivre le patron, j'avais plus besoin de compter mes mailles. J'avais compris la logique. Et je trouve que c'est encore plus simple. Une fois qu'on a fait la moitié et qu'on fait l'autre moitié où le motif est rétréci, c'est encore plus facile à comprendre. Il y a encore moins à se prendre la tête. C'est encore plus simple, je trouve. Donc voilà, j'ai terminé la section 4 qui se tricotait avec la couleur C. Alors Laetitia va revoir un peu son patron. Elle va pas changer grand-chose, mais elle va changer un peu les couleurs. Parce que moi, j'ai manqué de ma couleur ici pour terminer. Et je suis pas la seule. Il y en a certaines qui ont réussi à faire tout avec leur coloris C et en restant pas grand-chose. Je suis pas la seule à pas avoir réussi à finir ma section. Il était préconisé, Laetitia nous disait qu'on pouvait descendre d'une taille d'aiguille, elle le tricote, elle le préconise en 3,5, ce que j'ai fait, j'aurais dû peut-être le faire en 3,25. Je pense que je tricote quand même plus lâche que Laetitia, et j'aurais dû m'en rendre compte de moi-même parce que je crois que mon pull Lilian, qui doit sortir la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, je l'ai tricoté avec un numéro d'aiguille inférieur et j'aurais dû faire la même chose pour ce châle-là. Avec une taille d'aiguille en dessous, bah, ça serait passé. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas non plus grave. J'ai utilisé mon coloris B. Et voyez de loin, bah, c'est pas choquant. De près, vous voyez, hein, c'est un peu plus jaune les deux derniers rangs de points mousse. Mais comme c'est quand même un coloris assez proche de celui-là, c'est vrai que j'avais trouvé quand on les mettait les deux échevaux ensemble. On voyait que c'était pas les mêmes, mais c'était quand même assez proche. Là, je les tricote, si je vous montre de ce côté-ci, je trouve que je vois bien, moi, en vrai, la différence entre ce coloris-là et donc mon coloris qui se trouve ici. Mais c'est vrai que bah, là, sur un petit peu de point mousse, c'était pas choquant. Et puis, ça m'a permis de finir ma section. Mais voilà. Donc, la section de la semaine, elle est faite. C'était quand même un beau morceau à faire. Je m'étais fixée, en fait, je tricotais 10 rangs par jour, à partir de mardi. En fait, lundi, je suis venue vous voir, mais bon, la journée était déjà bien entamée. Je n'avais pas encore commencé ma section, ou très peu.
Mais je sais que c'est à partir de mardi, je me suis dit, ah bah là, je compte 10 rangs. Et puis voilà, il y avait à peu près 40 rangs à faire, ça me faisait terminer aujourd'hui. C'est chose faite. Il me reste plus que la bordure, donc la dernière section c'est un petit peu de brioche, mais elle est pas très grande. Heureusement parce qu'on a quand même pas mal de mailles, et ensuite on a une bordure en I-cord à faire. Mais ça devient bon, il sera terminé pour la semaine prochaine et je pourrai en profiter. Je suis vraiment contente. Vraiment très très beau. Donc voilà, pour le châle, une brioche pour le thé qui sort le 28 mars si je ne dis pas de bêtises. Ma couverture de reste de Steven West, la Jigsaw Puzzle Blanket. Ça devient galère à manipuler, elle est lourde, elle est grande. Bon, au moins quand je suis en dessous, j'ai pas froid. Hop! Alors, là, voici la section. Donc cette semaine, j'ai réalisé cette section-ci, la blanche, avec des petits speckles roses, et puis celle-ci. Et là aussi, j'ai manqué de laine. Bah, c'est pas grave, j'ai trouvé un autre petit reste qui était assez proche de mon reste initial, et puis voilà, j'ai terminé ma section, et c'est très bien comme ça. Donc la semaine prochaine, ben, deux autres sections à faire. J'ai dû faire la 35 et la 36. Il y en a 47 au total. Donc doucement mais sûrement, ça devient bon. Bientôt, ça sera terminé. Je sais pas du tout. Je pense qu'on reprend ces mailles-là. Moi, comme toujours, hein, je sais pas. Mais voyez, en fait, hop. Là, j'ai un bout. En fait, il y a quand même encore toute cette partie-là à remplir de morceaux, de carrés, de tricot. Donc, mine de rien, il y a encore un bon bout avant qu'elle soit. Même si en gros, il me reste à peu près 10 sections, j'ai quand même un large bout là, ici, à remplir pour qu'elle soit terminée. C'est encore quelques belles sections à faire, mais ça avance. Je tiens le rythme, je tiens bon. Il doit y avoir deux ou trois vraiment toutes petites sections que je ferai en même temps. Voilà, que je sais que pas. La semaine prochaine, je fais deux sections, mais la semaine d'après, je risque d'en faire trois parce qu'il y en a vraiment une toute petite, genre où il faut 10 grammes seulement. Et donc, je la ferai dans la même semaine, ça ira vite. Autre couverture, et que vous n'entendrez plus parler, c'est cette couverture-là. Voilà, ma couverture au crochet, elle est entièrement terminée. Il y a un cheveu. Voilà, bien terminé. Tous les fils ont été rentrés, coupés normalement. J'en profite pour revérifier, mais voilà, tout a été normalement rentré, coupé. Des deux côtés, je trouve que c'est joli, même là, même si on a les coutures, que ça fait un peu de relief. Bah franchement, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait joli. C'est pas choquant, c'est pas trop gros les coutures. Donc c'était fait au crochet. Moi j'ai suivi ce qui était écrit dans le patron pour les faire. En fait, ce sont des mailles serrées. On vient piquer dans une maille d'un carré, dans la maille de l'autre carré, et puis on vient faire des mailles serrées tout du long. Donc voilà, elle est terminée. Il n'y aura pas de tête de Mickey, il n'y aura rien du tout en plus, mais elle est très jolie comme ça, et puis voilà. On va aller chercher un petit truc parce que c'est la marraine de Noah, donc Noah va aller chercher un petit cadeau aussi pour compléter le. Celui-là, on va dire que ça c'est le cadeau de la famille et Noah, comme c'est son filleul, fera un cadeau supplémentaire pour le bébé. Mais ouais, voilà, elle est terminée. Quelle péripétie, pour rappel, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, comme c'était un petit garçon, on était parti dans les couleurs bleues parce que franchement, on ne savait pas vers quoi aller. Et puis c'est vrai que mon image d'inspiration au départ, il y avait du bleu dessus. Dans l'idée que je m'étais faite, donc on était parti dans du bleu. Quand j'ai reçu la laine, j'avais appris que la chambre de bébé était dans le thème dinosaure, tout vert. Et donc on avait racheté les pelotes vertes pour la faire. Alors d'ailleurs, il me reste toutes les pelotes bleues, je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Refaire une couverture comme ça, bah franchement, j'ai pas trop envie, mais je me dis qu'avec un blanc aussi, ça pourrait faire joli à réfléchir, à voir. Moi personnellement, j'en aurais pas l'utilité pour mon travail, donc il faudrait que ça soit pour un autre cadeau de naissance. Bon, je verrai bien. Pour l'instant, je les garde. Mais celle-là, on n'en parle plus, voilà. Et il me reste plus que ma couverture Jigsaw Puzzle Blanket, qui, je pense, quand celle-là sera terminée, je ne ferai plus de couverture pendant un moment. Parce que là, j'ai donné en termes de couverture entre. J'ai fait des cadeaux de nez. J'ai fait quand même plusieurs couvertures. Alors, des couvertures de bébé, certes, l'an dernier, mais ça restait quand même des couvertures.
J'avais fait ma couverture de Noël l'hiver d'avant. Là, j'ai fait ma Jigsaw Puzzle Blanquette. Voilà, j'ai fait quand même assez de couvertures. On en a une très grande au crochet aussi. Pour l'instant, j'en ferai plus. Je garde mes restes de côté et j'en referai une plus tard, mais je vais faire une pause après dans les couvertures parce que mine de rien, ça prend du temps à tricoter ou à crocheter. Ensuite, la chaussette de Noah. Elle aurait pu être finie quand je me suis souvenue qu'il y avait du jacquard au bout du pied. Je vous avais quitté, j'avais juste fait le jacquard du haut de la chaussette. Donc j'ai fait le talon. Il était en œil de perdrix. Le patron dit que c'est un œil de perdrix. Donc en fait, ils sont en décalé. Ça fait un joli motif. Au début, je me suis dit, bah, sur une couleur claire comme celle-ci, ça va bien se voir. Donc j'ai commencé à faire, donc c'est un rythme de 4 ans qu'il faut répéter. Donc voilà, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 8 rangs, puis en fait j'ai perdu le compte, et d'un coup je savais plus où j'en étais, puis je trouvais que ça se voyait pas forcément beaucoup. Alors j'ai tout défait, et finalement j'ai fait un talon à gousset classique. Parce que franchement mon garçon, lui, il s'en fiche royalement de ce qu'il peut y avoir au bout. J'ai déroulé tout mon pied, puis je me suis dit... Ah bah tiens, ça va être le moment de faire la pointe, donc je vais dans ma trousse pour trouver des aiguilles avec un long câble pour tricoter la pointe en Magic Loop, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus agréable de le faire avec une grande aiguille qu'avec une mini circulaire de 23 cm. Parce que là, je tricote avec une mini circulaire de 23 cm, moi ça me convient bien pour dérouler tout le pied, mais pour la pointe je repars sur des grandes aiguilles. Puis là je revois donc mes contrastants, mon rouge, mon vert, je me dis oh, quand même on les a pas utilisés beaucoup. Puis là d'un coup ça fait tilt, je me dis... Ah, mais il y avait du jacquard au bout du pied. Donc voilà, j'ai dû défaire, reprendre et faire un peu le. Voilà, et refaire ce petit jacquard qu'il y a là au niveau du bas du pied. Donc c'est juste les petites boules de cerises avec des petits points verts. Bon bah voilà, c'est mignon. Donc maintenant j'en suis à la pointe. Il ne reste plus qu'à faire la pointe et après à faire la deuxième chaussette. Donc il va rentrer ce week-end. Il aura déjà une chaussette de terminée. La deuxième sera en route. Et l'objectif, ça serait que pour la fin des vacances scolaires, donc nous on a encore une semaine, la deuxième soit faite et terminée. Franchement, ça serait bien, il serait content, il pourrait les mettre, c'est lumineux tout ça. Mon magnolia, je reviens pas dessus, je vous l'ai montré hier, j'ai terminé le corse depuis, j'ai pas avancé, ce serait l'objectif du week-end de faire les manches. Il me reste à vous montrer mon Whitmore qui est un petit peu avancé. Bon, pas énorme, hein, je peux pas tout faire, mais voilà, j'ai fait quelques rangs dessus. Mais bon, pas beaucoup. Mais voilà ce que ça donne. Bon, bah j'en étais là, j'ai fait ça. Bah pour l'instant, c'est très agréable à tricoter. J'ai vraiment hâte de me mettre dessus, de me plonger beaucoup dessus pour mieux voir le motif. Mais ouais, non. Et c'est vraiment très... Il est pas compliqué. Il est pas compliqué à tricoter. C'est sûr que ça demande de l'attention parce que ben, il faut suivre son diagramme, mais c'est vraiment pas des points compliqués. C'est sur quelques mailles. Avec les anneaux marqueurs, si vous faites une erreur, vous allez vous en rendre compte tout de suite. On fait toujours la même chose. Bon, c'est un petit motif qu'on répète, donc on s'en souvient bien. Mais voilà, bon bah, vous voyez pas grand-chose. Mais j'ai avancé un petit peu dessus. Non, très agréable. Et les deux fils ensemble sont très agréables aussi à tricoter. Donc lui, il avancera davantage la semaine prochaine parce que ben mine de rien, j'ai plus ma couverture de crochet. Mon Magnolia Bloom devrait se terminer. En fait, mon Magnolia Bloom se terminera. Mon test pour Laetitia, même les anges tricotent, se terminera aussi. Donc ça va permettre de libérer du temps pour les autres ouvrages. Et le dernier, on y arrive enfin, c'est le châle Red Katana qui a avancé un petit peu aussi. Alors que je vous montre. Alors, je n'avais pas mis d'anneau marqueur, mais je sais par rapport à mes rayures, j'en étais là quand je vous l'ai montré en début de semaine. Donc jusqu'ici, on a vraiment le même nombre de mailles de chaque côté de l'arête centrale. Et il me semble qu'à partir de là, oui c'est ça, c'est bien ça. À partir d'ici, vous voyez, le nombre de mailles change par rapport à l'arête centrale. J'ai plus de mailles de ce côté-là et j'en ai moins de ce côté-ci. Donc là, c'est vraiment pas compliqué comme patron, mais il faut savoir bien suivre son patron et puis il faut savoir suivre deux rythmes. Parce que là, par exemple, je crois que je tricote 6 rangs. Il y a un rythme de 6 rangs à faire en fonction des augmentations et des diminutions, mais c'est pas le rythme du changement de rayure. Là, pendant que moi, je fais tous les six, je répète toujours les mêmes 6 rangs, il y a deux répétitions de.
de rayures qui sont identiques. Et ensuite, je répète encore deux fois les rayures, mais ça ne sera pas le même nombre ni de mon coloris A ni de mon coloris B. En fait, petit à petit, cette rayure-là va elle se rétrécit tandis que la plus foncée s'agrandit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, il faut bien se repérer. Donc, j'essaye quand je le prends d'être sûre d'avoir devant moi le temps de tricoter mes 6 rangs. Comme ça, je sais toujours quand est-ce que je m'arrête. Je tricote mes 6 rangs d'affilée. Il faut en même temps compter ses rangs pour savoir quand est-ce qu'on fait le changement de couleur. Et puis voilà, là, quand je le reprends, je sais que je reprends au rang 1. Je ne coupe pas mon fil entre chaque couleur, entre chaque rayure. Je les fais suivre. Vous le voyez là, hop, il suit mon fil. On le voit. Alors c'est léger parce que j'ai pas deux fils qui sont fort contrastés. On est assez proche au niveau des couleurs, donc c'est pas choquant. Ça me laisse une bonne élasticité. Qu'en fait, je tricote la première maille normalement et à la deuxième maille, ce que je viens faire, c'est que je coince mon fil. Je viens coincer le fil en même temps que je tricote ma deuxième maille. Moi, je sais pas la technique que j'utilise pour coincer mes fils. J'utilise cette méthode-là pour tout. Quand je croise mes fils pour du jacquard, quand je croise mes fils pour rentrer des mailles. Je pense que c'est ça, c'est la technique. Quand on croise ses fils pour du jacquard, j'utilise la même méthode. Là, pour coincer mon fil, pour qu'en fait, il suive bien derrière, sans que ça soit trop visible, sans que ça pendouille, sans que je puisse m'y accrocher. Donc, je le fais suivre au fur et à mesure. Comme ça, je l'ai pas à couper, je l'ai pas à le rentrer. C'est propre, franchement, c'est pas. Je pense pas que ça soit fort voyant. Et ça va me permettre vraiment d'avoir un châle réversible. Voilà pour le Red Katana. Qui avance bien. Je pense que il peut être fait tricoter rapidement. Finalement, c'est que deux échevaux, que deux échevaux de laine sport. Donc il n'y a que 350 mètres. Je tricote en aiguille. 4,5. Je me demande s'il n'était pas préconisé en 5, mais comme mes aiguilles 5 sont sur ma Jinsu Puzzle Blanket, je l'ai tricoté en 4,5. Et je trouve que ça rend bien, ça fait un joli tissu. Il aura un grand potentiel d'extension au moment du lavage. C'est que du point mousse, donc ça peut très très bien s'étendre. Mais on verra bien ça après. Donc je poursuis. Donc je pense que celle-là, elle s'agrandit. Et puis celle-là, elle rétrécit au fur et à mesure. On verra bien. J'ai pas trop. J'avance au fur et à mesure sur ce patron-là. Donc voilà, voilà pour tous mes tricots cette semaine. Merci énormément pour tous les messages que vous avez laissés. J'ai énormément de commentaires sous la vidéo de concours. Et vous me remerciez de vous offrir des cadeaux. Bon, vous êtes vraiment adorables. Ça me fait extrêmement plaisir de vous remercier, de vous gâter. Parce que pour certains, ça va faire découvrir des teinturiers et des teinturières. Pour certains, ils n'ont jamais eu la chance, l'occasion de s'offrir de la laine teinte main, donc c'est voilà, c'est peut-être une chance pour vous aussi de pouvoir enfin tester ce genre de laine, donc ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes toujours géniaux, même là quand je peux vous gâter, mais en fait vous m'envoyez tellement plein de gentils messages que je suis extrêmement touchée, donc grand grand merci à vous, bonne chance à tous. Quand vous voyez cette vidéo là, vous pouvez toujours participer au concours. Il sera clôturé vendredi prochain. De toute façon, quand il sera clôturé, vous ne pourrez plus laisser de commentaires sous la vidéo. Et je donnerai donc les résultats dans le vlog prochain, la semaine prochaine. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!